Salut, ça va bien? Petite vidéo là, bah ouais, parce que bah comme tu l'as vu la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, alors on pourrait se dire, oh c'était la Saint-Valentin et tout ça et tout ça, et il n'y a pas eu de vidéo du coup. Oui, mais non, simplement que j'avais la flemme, j'ai pas mal bossé et les vidéos sont restées un petit peu en attente. En dehors des nouveaux abonnés, donc tous les 500 premiers abonnés de la chaîne et ceux qui regardent régulièrement les vidéos, bah merci, c'est cool. En tout cas, je ne sais pas ce qui vous a pris, si c'est vous ou d'autres, mais il y a quelques mois en arrière, enfin il y a un bon moment en arrière, même un an en arrière, facile, j'avais fait des vidéos sur des feux d'artifice un peu, je sais pas pourquoi, je me faisais chier. Et il y a une vidéo nulle, à chier, qui a pris genre 5000 vues ou 4000, je sais plus, ou peut-être 3000, bref, quelques milliers de vues, alors que c'est vraiment une vidéo merdique, hein. C'est écrit dans le titre, un hein, feu d'artifice pourri de, je crois que c'était 2020 ou 21 en plus, donc autant dire avec les confinements c'était bien de la daube. Je sais pas ce qui vous a pris, mais il y a des vues sur ça, donc faudra m'expliquer. Bah, si jamais les vidéos de feu d'artifice ça vous plaît, bah, au cas où dites-moi, hein, j'en ai une pleine boîte chez moi, donc. Au cas où, bah, je vous ferai ça un autre go, hein, si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous poserai la question bah, dans la semaine où il y a cette vidéo-là qui sort. Normalement, ça sortira un mercredi, donc limite le mardi, jeudi et compagnie. Je vous demanderai, parce que justement, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur la chaîne, je me suis un petit peu servi de l'onglet communauté, où j'ai partagé. Depuis un mois à peu près, j'ai un peu testé, voir les fonctionnalités qu'il y avait disponibles. Et du coup, d'amorcer des annonces sur les futures vidéos, sur ce qu'il y allait avoir. C'est aussi pour ça que cette semaine, il n'y a rien eu. L'organisation de tout ça. Et du coup, ça a donné que, y a eu donc différentes choses qui sont passées. Donc des publications d'annonces de vidéos. Et également, j'ai vu qu'on pouvait faire des sondages. Donc voilà, je pense qu'à l'occasion, je vous proposerai ça d'autres fois, dans d'autres vidéos, et même avant, après, pendant les vidéos, s'il y a des nouvelles choses qui sortent et compagnie. Je me dis que ça peut être une valeur ajoutée à la chaîne, et potentiellement, bah, pour vous permettre voilà, de participer un petit peu aux échanges et tout ça sur la chaîne. Donc ça pourrait être cool, donc je pense que je vous paramétrerai ça là dans la semaine, et puis comme ça, il y aura des choses un petit peu régulièrement qui tomberont sur tout ça. Voilà, c'est tout. On se retrouvera également la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Donc je vais faire un nouvel unboxing. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Non, je déconne. Ça date de il y a même pas un mois, le dernier unboxing que j'ai fait. J'en ai fait un sur la machine sous vide, justement, qui fonctionne très bien. Je vais faire là donc un unboxing sur un appareil, un masque. Mais vous verrez ça plus en détail. Ce sera un peu plus cool. Et puis également, par rapport à cette vidéo-là sur le masque, je vous mettrai une petite vidéo à la suite pour vous parler d'impression 3D en lien avec le masque, avec d'autres choses, et peut-être même une autre vidéo sur les impressions 3D avec les armes à feu, ce genre de choses. C'est des sujets que je connais pas mal et au cas où je pourrais vous renseigner à un certain niveau. Donc bah voilà, et puis bah, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou!